Elles sont nombreuses mais peu efficaces. Les petites et moyennes entreprises constituent 80% du tissu industriel ivoirien, mais ne participent qu'à 18% à la richesse nationale, le produit intérieur brut. Une des causes de cette contre-performance, l'accès au crédit. Et les préoccupations entre opérateurs et banquiers semblent opposées. Les banquiers sont toujours très aptes à financer des produits d'ancienne économie, que ce soit des produits agricoles, industriels, mais n'ont pas forcément la compréhension de nouveaux modèles économiques liés notamment à des produits dématérialisés. La deuxième chose essentielle pour nous, c'est les taux. Aujourd'hui, se faire financer par une banque, c'est effectivement avoir affaire à des taux qui sont des taux totalement inacceptables. Aujourd'hui, nous faisons un constat, c'est qu'on a une faiblesse en fait de la capacité des négociations des PME. C'est-à-dire qu'elles ont un problème organisationnel, elles ont un problème de fonds propres, elles n'arrivent pas à offrir en fait des sûretés que les banques sollicitent en fait. La deuxième édition des Journées du banquier, ouverte ce lundi, a justement pour but de concilier les positions. C'est un espace vertueux de réflexion devant aboutir à une offre bancaire adaptée aux besoins des PME. Le jeu en vaut la chandelle. 50% des entreprises créées meurent 5 ans après leur création. L'État essaie de les aider par le biais de la fiscalité, par le biais donc de l'appui à la gestion, mais qu'il faut aussi le financement qui doit venir, mais il faut aussi la formation à l'entrepreneuriat. Il faut qu'on ait un esprit d'entrepreneur. Ça, c'est fondamental. Au terme des 2 jours de panel et d'exposition, banques et PME doivent disposer d'un schéma équilibré où chaque partie trouve son compte.